Et merde, putain, faut tout refaire. Chier. Si ça me casse les burnes, je crois qu'on va charger la mission suivante, hein. On va faire un stropole, genre, est-ce qu'on s'en fout? Vas-y, on va essayer de la rusher. Oh bonjour et bienvenue sur Benzaï Live, désolé pour cette coupure momentanée du stream. Après avoir analysé les données disponibles, je crois que la meilleure chose à faire est quelque peu risquée. Une bonne explosion déstabilisera l'anneau et désactivera la plupart des systèmes principaux. Ouais. L'emballement des réacteurs a toujours dû laisser de faire affaire. En plus là on a des vraies armes par contre pour commencer, ça c'est bien. Du réseau de combat de défense et essayer de découvrir où le pilar en photon s'est écrasé. Si les réacteurs à fusion du vaisseau sont en bon état, nous pourrons les utiliser pour Vas-y, j'ai pas le temps. Edouard n'a pas le temps. Notre esprit vise ailleurs. Il faut malheureusement refaire la mission, mais ça va bien se passer, vous inquiétez pas, nous sommes des experts désormais. Je me souviens du toboggan sur le côté. On a besoin d'un seul qui prend le Banshee, hein, donc on compte sur toi. Ouais, attends, j'ai plus de bouclier moi, donc je vais me calmer. Tu les sens pas. Allez, allez, c'est le speedrun, du coop. Il y en aura le cul de ce niveau de merde. Après, la pire mission, hein, le pire niveau. Le monitor devra les réparer avant qu'Alo ne puisse être utilisé. Allez Edouard, je compte sur toi. Ce Banshee est à toi. C'est le Banshee de votre vie. Regarde, on lui jette des grenades. Comme ça, il nous aime. Regarde, si je fais du saute comme un pampan le lapin. Et là, je monte dans le Banshee. Bon, vas-y, décoche, je l'ai attiré. Quand je m'élève si haut dans le ciel, aussi, je suis libre comme une hirondelle, c'est fantastique. Quelle sensation magique de vous niquer. Puis il y a des ennemis. Et je m'en fous, je m'en calisse. Regardez, regardez, on arrive, on y arrive, hein, au speedrun, hein, on y est. Hein. Je dis quand t'es des experts. Voici le générateur pulseur. Ah, bon, c'est Attends, je vais attention, il y a des trucs en haut-dessus, là. What? Quand ils explosent, ça nous tue? T'inquiète, t'inquiète. Parce que la checkpoint... C'est mon Banshee qui fait chier, forcément. Et tu dis genre ce serait cool de faire un niveau en Banshee parce que c'est la première fois qu'il t'en donne un. Mais non, il faut aller dans un interstice plus petit, hein. Oh, ils m'ont explosé. What? Ils m'ont tué. Je trace. Fonce. Fonce, sauvegarde. C'est le checkpoint, c'est le checkpoint. Tu crois que là on essaie de les... Ah non, c'est pas encore là où il y a les floods. Ouais. Là celui-là on peut le rusher là. C'est juste qu'il y a 2000 couloirs. Mais attends, putain, faut aller où? Par où? Putain, je le vois pas le truc. What? Et la musique? Putain, le jeu est là genre... Mais attendez, mais c'est... Les gens s'enjaillent, stop la musique, arrêtez tout! Et pourtant, le mixage sonore est censé être la version révisée. Ah, il revient. D'accord, ok. Mais voilà. La musique, elle a un peu de mal. Hein. Honnêtement, elle est pas contente. En tout cas, regardez, c'est le speedrun. Il y avait pas plein de gens là normalement? Si, si, ils arrivent. Oh merde, excuse-moi. Oh non! Oh non, Edouard! Tout croit, Philly. Tu t'es foutu dessus.
Jean-Michel Son doit changer le CD de BO, quoi. Tu dis Capitaine Mazette. Allez, Edouard, du premier coup. Mais non ! Oh là là, Jean-Michel TK nous fout dans la merde. Et j'annule ce speedrun. Oh non! Oh, cette fois c'est pas moi. Allez, allez, allez. On va y arriver. On va y arriver. Il n'y aura pas de reset sur ce stream. Je ne ferai pas reset. Ah, par contre là c'est le truc chiant. Non, pas encore. Ah putain. Là ils se battent entre eux et après. De toute façon. Là c'est le truc moitié chiant en fait. Ouais. C'est chiant mais pas encore à ce point tu vois. Genre là on est à 10 sur 20 et après on passera à 5 sur 20 dans la salle d'après. Pourquoi nous refoutre dans un couloir après nous avoir donné un banshee bordel de merde quoi. Les gens veulent pas qu'on joue à leur jeu en fait quoi. Non putain. Là non c'est pas là encore. Ah oui là c'est le truc putain. Ah non mais ah là 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 ce jeu. Le jeu de la corvée. Le jeu de la déco. Fais gaffe, y en a un avec une épée là. Mais c'est pas grave, moi je m'emmerde. Regarde ça, regarde ses skills de Destiny. Non t'es derrière mais putain forcément c'est moins cool. Jean-Michel Bonson. D'aider la régie à débrancher les enceintes. Nous dit Vernerxgay. Oui. Alors là je dis oui attention c'est gagné. Là c'est pas ça chiant. Là c'est très chiant. Attire-les et reviens dans le couloir. Revenez pour un fou. Balancez les rôles. Là regarde, balance une grenade au-dessus. Balance une grenade dessus et ça va les tuer. Waouh, putain, j'ai fait rain quoi. Oui. Ah oui. Oui. Viens, il reste encore des mecs au fusil à pompe. Merde, alors là attention, là ça se guerroie là. Mais là on peut juste passer sur le côté et faire Balek. Oh putain mon gars, là on est... Oh ah je me suis pris de face, donc vas-y on refait la même strat, ça marche bien. Mais non mais je pense qu'il y a moyen de rusher par, par le milieu en fait, regarde. Ah oui. Bah moi je suis... Ah mais ils ont des fusils à pompe aussi, ils trichent les mecs. Bah oui. Voyons. Non mais je pense que pour être le plus safe, genre la strat c'est bien. Oui, 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 oui. Mais c'est tellement le non-jeu. Le non-bien. Je vais devoir mettre la musique de Vracouille la fripouille. En solo t'as pas vraiment d'autre choix je pense hein. Allez, donc les visiteurs, allez, c'est parti. Remarque, ça va être hyper raccord avec la musique de Halo. En l'an de grâce 1123, le roi Louis Sicilia Pierdi le Gros affrontait aux frontières du royaume son cousin roi d'Angleterre et duc de Normandie. Ses hommes envoyaient une forte.
Attention dans le chat, c'est ok. Ok. Bien voir entre quel tu vas arriver où. Tu crois qu'il est mort là? Attends, j'y vais en premier. Mais il est même pas là. Ah par contre il a laissé son truc. Tu le veux? Allez putain, mais mouillez le maillot là dans le chat. Bonjour. Ah un autre pont, mais trop bien. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien ce jeu. C'est le retour. Oh putain, il y a du lourd sur le jet. Oh putain, Vasily, dingue! Mais attends, là c'est le bon bien. Mais putain, mais c'est par où? Par là. La droite. Merci la gueuse. Tu viens les drons et tu viens vote. Dehors les Romanos. Dehors les Romanos. No. Version dubstep, s'il vous plaît. C'est passé en dessous, toi? Ouais. J'ai fait un out of bound de ouf. Oh putain, là c'est bien psychédélique. Ok. Bon allez, attends, un peu de sérieux quand même, parce que là ça devient sérieux et ça fait peur le jeu. Tu crois pas que ça fait peur? Regarde. Regarde les vieux graphismes, mon gars. Dis-moi que ça te fait pas peur et dis-moi que tu chies pas dans ton pantalon. Non. Parce que je n'ai pas de pantalon. Ah putain, faut retrouver l'entrée là, mais c'était pourri ce passage. Non, j'ai trouvé. Suivez le guide. Ah, les fameux ghosts. Oh non. Fuyez, pauvre fou. Moi je fais quoi? Ouais, tu peux te prendre. Mais t'es mouru ou quoi? Non, je suis parti loin devant. Oh là là, mais merde. Qu'est-ce que je foute moi avec ma bite et mon couteau? Je sais pas, c'est pas le professionnel de MGS5 là. C'est vrai. Alors regarde, je m'en sors très bien. Mais j'utilise la technique d'Esti. Aïe. Ça, je suppose que ça veut dire quand tu es mort. Oh là là, mais comment tu t'enjailles toi, salopard. Le mec s'en bat les couilles. Le jeu a pensé à la coop. Mais... c'est bien beau de me faire respawn les amis, mais contre deux gros billes, je ne vais rien faire, sachant que je n'ai que mes pieds pour me battre, ou je peux leur cracher à la gueule, mais j'ai un casque. De toute façon, attends. Faut s'envoler. Hein? Bah ouais. L'objectif est en l'air. Pourquoi pas?
Quoi, je suis passé à côté d'un gosse, vous êtes sérieux? J'ai forcément We Are the Champignon quelque part. Allez voir. On bouge son cul. Ah, faut aller en bas dans la grotte là. Non non mais il y a un ghost à l'entrée et du coup t'as qu'à prendre le gars qui est là là, dans les rochers. Derrière les rochers. Et après on fait quoi? Après faut trouver le moyen de monter en haut. T'es sûr qu'il faut pas juste passer par la grotte justement? Et ça fait pas le tour, je sais pas quoi. Je pense pas. Peut-être. Mais... Merci Vasily. De l'autre côté des Banshees, il y en a deux. C'est pas par là. Merci mon gars. Alors c'est pas par là. Mais par contre, tu m'as fait respawner sans mon bruc. Oh putain! Oh, c'est à chier. What? Mais attends, c'est parce que... Regarde, c'est parce que j'avais pas mon ghost. Bah, mais du coup, tu vas me piquer le mien. Mais c'est quand t'es parti, ça m'a fait respawner hors de mon truc. Et là, ce que j'ai dans les mains, c'est que t'as respawné. Et donc, c'est de la merde. Non, 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 fais pas ça. Regarde, là tu prends celui-là. Merci Vasily. C'est pas par la grotte. Tu sais, tu n'es pas obligé, mon cher ami. J'adore tes conseils, mais je lis le chat aussi, donc tu n'es pas obligé de cracher 5 euros pour me donner des conseils, même si c'est fortement apprécié. Ah merde, faut trouver un Banshee, putain. Ils sont là. Où ça? Là, là, à côté de moi. Où ça? Là. Mais j'ai pas, je te vois plus. Je te vois plus, puis je fais caca. Du coup, je me casse. Je suis parti. Mais vous êtes fous, quoi, de croire que c'est la moitié du jeu, quoi. Il reste 2 missions. Non mais par contre... Faites quelque chose. Oh là là, mais bordel, mais je me fais tellement bisouter. Oh non. Ah mais y'a un Banshee là, voilà. Ah mais c'est une rougne mon Banshee quoi. Wouah. Fais gaffe parce qu'il y a un autre Banshee en l'air et il vient me buter. Ah merde. Tout le maximum, we are champions, champions. Du coup, tu as seul espoir pour arriver en haut. Et ben, je sais ce que je vais faire. Regarde. Juste à la fin de la zig, je passe le couloir. Merci, Vasily. J'aime bien voir Renan au milieu de l'écran. Bah écoute, nickel. Et tu peux... Merci. Merci, mon coucou. Tu peux même mettre un euro, hein. Mais c'est très gentil. Non, j'ai pas de grenade, merde. Oh, mais putain, quand tu repars... Ah merde, fallait repartir déjà. Oh putain. Il a foutu la pompe. Et où on se regrette apparemment. Ah. C'est le beau gel. Ah merde, attends, faut quand même le refaire. Hein. Bah vas-y, rush, au pire, moi je reste là. Hein. Tu me dis quand on peut y aller. Vas-y, repars. Ah oui, mais merde, ça fait spawner 50 000 floutes dans le couloir en fait. Bah oui. Vas-y, j'y vais. Prépare tes grenades. J'avais pas de grenade. J'ai mouru. Bah, moi aussi. Et toi, t'as des grenades, toi? Non. Non, mais d'accord, mais... Non, merde.
Ouais, mais je pense qu'il va falloir déployer avant. Ah, ils ont des bunkers. Qu'est-ce que tu veux faire? Non mais attends, je pense qu'il faut buter les mecs avant de détruire le truc. Si on va se faire des... Ah, c'est horrible. C'est horrible, ça s'appelle de la stratégie. Jamais, jamais dans un jeu, quoi, tu vois ça. Il y en a déjà 4 fois trop des mecs, quoi. Mais par contre, j'avoue qu'ils ont un peu abusé sur fait. Bon, alors, en vrai, il est bien chiant. Genre, vous savez ce que les gens ont adoré faire dans la mission d'avant? Oui, tuer des zombies. Oui, voilà, ils ont adoré ça, donc on va en remettre plus. Et je n'ai plus de balles. T'es mort? Oui. Ah non, mais moi, celui que je préfère en termes de level design, hein, c'est le 4. Hein. Franchement... Le 4 ou le 3. Ah, il y avait un point de contrôle même. Et après, ça fait respawner encore plus d'ennemis, donc tu m'étonnes que c'était chaud. Oh, tu m'as bloqué ma grenade. Ah non, mais non, mais non, et pas l'encre rouge. Arrête de frapper! Bah là, c'est bon, de toute façon, on peut se casser. Oui. Voilà, c'est terminé. Je m'écrase pas avec mon bras. C'est parti! C'est parti! C'est pas parti! J'ai au moins détruit la tourelle, hein. Oh, mais ils ont totalement baisé mon Banshee. En fait, ils avaient les roquettes. Oh, vas-y, lève-toi dans le ciel, voilà. Vas-y, descends, que je puisse peut-être respawner. Trop d'ennemis dans les environs, là, mais c'est n'importe quoi. Mais vas-y, pique-moi mon Banshee, je te dirai. Oui, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, Edouard. Non, mais bon, ah, mais ils ont fait exprès pour que tu passes pas en Banshee, pour pas que tu t'amuses. Merci de m'avoir écrasé. Oui, c'est ce que j'ai fait. Vas-y, bah écoute, je vais attendre là, tu respawn. Et tu me retues. Je vais faire de l'aérobic en attendant. Fais-toi plaisir. Mais tu respawns jamais? Trop d'ennemis dans les environs. Voilà, c'est bon. Putain, tu sors vraiment pas à mon cul, c'est fou. Ah, souvenez-vous, hein. On était déjà passé par là. C'est nul. C'est à chier. Bon, et ça s'ouvre jamais cette merde? Oh, ils ont des rentrées. Mais pourquoi ça s'ouvre jamais? Et c'est quoi ce souffle de roquettes? Oh, what the fuck? Allez, allez. Edouard, il est temps de se pousser au maximum. Inside.
C'est pareil, hein, je pense qu'il faut pas rusher comme une brêle. Alors moi, je suis balle. Voilà. J'ai 0 balle de partout. Oh la roquette m'a frôlé. Comment il fait le café, le pistolet? Alors pourquoi ça s'ouvre pas? Ah, parce que le panneau il est là, mais vas-y, le jeu est pourri. Ça s'ouvre. Cette mission était quand même interminable. Ah là là, ouvrir des grandes portes. Regardez, regardez comment c'était encore mieux 10 ans plus tôt. Non, tais-toi. Mais si c'était mieux, regarde la texture de la neige. Ce décor magnifique. Quel décor. C'est l'ultime périple. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut monter. Ah putain, alors là par contre GG. Je pense que tu l'as calmé. Je t'ai adressé. Laissez-moi récupérer ma vie. Mais putain, mais y'a trop de gens. What the fuck? Ouais, non, mais ils sont trop nombreux. Enfin... Mais c'est quoi ce truc? What the fuck? Bon, on va varier la musique, les amis. Double karaoké quoi. I'm going to change this. This is the way I wanna live. Vous êtes bien rigolo et c'est pour ça que je vous aime. Mais calme-toi. Ah putain, c'est laid. Ah, c'est plus vraiment mon enfance, les mecs. Hein. J'étais déjà en train de me tirer sur la pine. Je t'aime en fait. J'ai un crâne d'œuf, je suis tout blanc, j'ai pas de cheveux. This. Oula. Attention, grand moment. Alors, la musique, je ne peux pas la mettre plus fort. Moi, de tout mettre plus fort. Come on up. Il n'y a rien dans cette grotte. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on nous montre si vous l'objectif. Là, il y a des ghosts, si tu veux. Coming up. Calme-toi, du con, la joie. Attends, mais non, j'attends. Ah, mais je suis tombé, j'avais pas le droit de salir mon pantalon. Mais j'avais pas le droit de me salir. Oh là, non mais t'inquiète, je prends garde de ne pas acheter Dance Machine 3 avec les 20 fingers, Gala, Ophélie Winter, La Bouche, E-Type, voire un live de E-Type alors que j'en rêve depuis 20 ans. Bien sûr, E-Type, hein, c'est... Bien sûr, E-Type, hein, c'est... This is the way I wanna live. I'm going to change it. Coming up.
This is the way I wanna live. Oh putain. Alors j'ai écrasé un mec. Ah j'ai réussi à passer sur le côté mec. Coming up, coming up. Mais non. Putain, prends ton banshee et passe de l'autre côté comme un bonhomme. Voilà. Tu vois, tu y arrives. Bref, vous savez de quoi je parle. Sauf si, eh bien, vous avez moins de 20 ans. Bon, le mec au lance-roquette est hors de l'état de mer. Ouais, mais il y a deux tanks. Eh ben, tough shit. Si que je te dise, moi. Putain, avec tous ces lasers, franchement, je suis hyper enjaillé sur ce jeu, sur cette musique, sur cet univers. Il faut prendre les Banshees. Tu vas où? Bah, je sais pas, mon objectif, je le vois à 200 mètres là-bas. Oh, mais merci le jeu de m'avoir encore fait spawner dans le vide! Ah, oui, ça doit être bien. C'est sûrement de ma faute. Oh! Nique ta mère, nique bien ta petite maman. I'm going to change. Et voilà. Ah, oh, super, une salle comme ça, j'en rêvais. Allons-nous-en, Edouard. Vous êtes bien rigolo. Et c'est pour ça que vous êtes. Attention, instant scénario. Trouvons un véhicule et allons voir le capitaine. Non, ce sera trop long. Vous avez une meilleure idée? Une grille de téléportation traverse tout Halo. C'est grâce à elle que le moniteur se déplace si vite. J'ai appris à utiliser la grille lorsque j'étais au centre de contrôle. Hélas, chaque saut nécessite une importante dose d'énergie. Quelque chose me dit que je vais détester. Mais je suis sûr de pouvoir l'extraire de votre combinaison sans dégâts à vos boucliers. Inutile de dire qu'on ne doit essayer qu'une fois. Allez-y. Ça servait à quoi de faire? Putain, mais la musique, genre Youssoundour quoi. The second, I'm waiting. Mais t'as vu ça quoi? Déjà, attention, on pourrait se téléporter, mais c'est chaud. Ok, vas-y, on se téléporte. Ok, en fait, c'est pas chaud. Waouh! C'est bien écrit. D'après ce que j'ai rassemblé, leur chef a ordonné à tous les vaisseaux d'abandonner Halo après avoir découvert les Floods. Mais ils ont trop tardé. Les Floods ont envahi ce croiseur et l'ont désactivé. Les Covenants craignent que les Floods ne réparent leur vaisseau et l'utilisent pour quitter Halo. Ils ont dépêché une force d'attaque afin de neutraliser les Floods et réparent le vaisseau en vue d'un départ immédiat. Je capte parfaitement le signal du transpondeur CNI du Capitaine Keyes. Il est vivant et ses implants sont intacts. Le réacteur endommagé du croiseur cause des interférences. On va se rapprocher le plus possible. C'est parti. Oh! Master Chef, il faut que tu récupères tous les Hodlums, tous les Luminous, pour sauver le Royaume des Rêves. Et ainsi libérer... C'est pas du tout le même vaisseau quand même, entre quand tu changes de graphisme. Oui. Comment il n'y a pas de design à la base, quoi. Genre, mais tu fais des murs roses, ce sera classe. Non, ce sera nul à chier, ce sera fluo, ce sera tout ce que vous voulez. Ça ressemblera au clip de Let Me Be a Drag Queen de Sister Queen. Oui, et quand j'ai dit badass, c'est exactement ce à quoi je pensais. Bon, ben d'accord, mais bon, c'est... Enfin, oui, d'accord. Analyse. On pourrait s'écouter du Sister Queen, hein. Non, non. Tu sais ce que c'est, mais Sister Queen, Edouard? Non, je ne veux pas savoir. Mais si, let me be a drag queen, extravaganza. Putain, mais regarde, il y a... Y a pas... A mon avis, on peut juste les zapper. Hein. Mais y'a pas de décor quoi! T'as la base!
Ah bah oui, à la base c'est moche. Non mais c'est pas que c'est moche, c'est qu'à la base il y avait rien. Avant il n'y eut rien, puis la lumière fut. En fait c'est que le jeu t'es censé le faire à la lampe torche. Puis le mec s'est dit bon vas-y, ça se voit quand même, on va faire un décor. En fait ce qui est marrant c'est que c'est les niveaux qui étaient le plus moches avant qui sont le plus beaux. Et les niveaux qui étaient à peu près beaux, bah tu fais bois, franchement c'est des branleurs, ils ont rien foutu. Ce qui est terrible hein, pour ces pauvres gens de 343. Qui est composé hein, de plus de gens de Bungie apparemment que Bungie eux-mêmes. Enfin plus d'anciens de Halo quoi. Vers l'ascenseur gravitationnel du vaisseau. C'est comme les gens qui attendent un nouveau GoldenEye de Rare alors qu'en fait c'était les gars de Radical Free Radical sur Time Splitters qui était à l'origine de GoldenEye. Bref. Non, ne requestez pas de la musique de merde comme Iron Maiden ou je sais pas quoi, ce sera Sister Queen ou ce sera le petit beurre. Mais c'est tout. C'est l'avant-dernière mission de ce Halo 1 les amis, hein. Nous allons le finir en live. C'est promis. On commence là ? Oui, par contre, c'est vraiment un enclos du checkpoint. Par contre, t'as vu l'espèce de marmelade, ils ont... Ah, mais putain, mais oui, la marmelade. En tout cas, ils ont bien fait la marmelade dans ce niveau. Et je la trouve un peu mieux faite que du coup dans l'original que dans le nouveau. Non, non, elle est trop bien dans le nouveau, attends, quand même. Elle était bien faite hein, dans l'ancien, mais... Allons par là. C'est quand même un vieil effet, un peu de chipos, quoi. Ouais, mais ça ressemble... Ça fait plus le truc dégueulasse, quoi. Ah, mais de toute façon... L'ancien est plus dégueulasse. C'est vrai que c'est un peu plus cracra burk, alors que là c'est plus de l'eau. Alors là je ne sais plus quoi faire, hein. Franchement je suis perdu. Moi je rush. Mais en soi j'ai l'impression qu'il me voit pas. Mais c'est faux. T'es mort ? Oui. Je suis mort, mais mon esprit va t'accompagner. Mais ça va, si ton esprit m'accompagne... Avec la musique du rêve. Mais non ! Quoi ? Écoute cette zik et ça va t'enjailler. Vas-y, au bout de 10 ans pour tuer un... Des zombies, quand t'as le leader, tu leur demandes des cristaux qui sont capables de transporter des armures de Spartan, quoi. Et ça va faire rien. Je vais tuer par les coups de... Évite de parler par-dessus Sister Queen, déjà. Si ça c'est pas du bonheur. Come on. Merde, je suis mort. Sérieux ? Il n'y a jamais de checkpoint ? Et donc, si vous avez à peu près mon âge, vous chantiez Let Me Be a Drag Queen à plein poumon à l'âge de 9 ans. J'espère que ça twerk hein, sur le chat. Par contre, cette mission, c'est abominable. C'est abominable. Je veux même pas savoir ce que ça donne en légendaire tout seul. Quoi.
Tu vas pas genre niquer? Ah, tu t'avais plus de vie donc bon, je fais genre mini une balle quoi. Ah, on a respawn. Attends, mais tu m'as fait respawn où là? Attends, mais je suis où là? Attendez, chut. Si, si, voilà, c'est là, regarde. Attends, non, reviens. Ah, bah oui, vers l'objectif. Fallait aller vers l'objectif, et oui, c'est ce que je dis depuis le début. Non, mais regarde à ta droite, il est là le passage. À droite. Ok. C'est pas rassuré. Là, y'a un sniper si tu veux. Ouais. Vas-y, je le veux. Et préparez votre test à manga quoi. Qui c'est qui connaît le mieux Dragon Ball Z entre vous et le mec de Bolzen's Breakdown? Big up à Sundar hein, qui n'est pas là mais qui nous a, sa musique nous accompagne. Hein. Putain, mais Edouard, tout Paris vient d'ici. Quartier. Tout ça sort de la rue, hein? Qui l'eût cru? Pas toi, mais Edouard, en tout cas. Je n'ai plus de balles, je n'ai plus rien. Je suis nu comme un ver. Mais sérieusement, il n'y a pas de point de contrôle, quoi. Non, donc reste un peu hors sol. Je veux des armes. Mais ils m'ont pris dans 20 points. Vas-y, résiste, frère. Moi, je me casse. Oh mais les enfoirés. Merci beaucoup Vasily, tu t'es abonné, comme ça tu me donnes 5€ par mois. J'en touche la moitié je crois, ou un tiers, hein. Je ne sais plus, Twitch je mets bien. Merci mon gars. Attends, reste en arrière et bute les petits trucs. Comme ça je respawn. Ouais voilà. Beau calcul mon gars. Oh le point de contrôle était là, mais je suis deg. Oh, depuis tout à l'heure. Mais tout à l'heure j'y étais en plus. Mais en fait c'est peut-être parce que comme c'est moi qui stream ou je ne sais quoi. Faut peut-être que ce soit moi qui fasse le jeu parce que c'est moi la grande personne. Non. Vas-y, avance. Recule que je respawn. Ah t'es mouru là? Ouais, j'ai essayé de tracer, mais je sais pas ce qui m'a tué, du coup. Tu contestes? Prépare ton test à manga. Bulzens, est-ce que t'as lu tout One Piece, enculé? Non, mais d'accord, Edouard. Dans Bulzens Breakdown, le mec, il dit prépare ton test à manga, pas prépare ton test à manga. Rien, moi. Il dit mais prépare ton test à manga. Il ne pouvait parler que de manga et pas de testament.
toute façon, je vais aller modifier tous les sites de Lyrix pour avoir raison finalement aux yeux de la loi. Oh mais putain, il y a une couche sur fait qui va exploser dans le dos et qui va empêcher de monter. Mais vas-y, monte, abruti, voilà. Oh oui, c'est gagné. Au moins cette mission dure beaucoup moins longtemps que celle d'avant. Ah merde, putain, c'est pas fini.